suis par terre et j'ai trop mal au dos. Comme quoi c'est physique. Je prends une inspiration. Il est un peu avant 11h ce matin quand Emmanuel Macron quitte sa résidence du Touquet sous les acclamations de la foule. Il prend son temps, salue quelques fans et se rend ensuite au bureau de vote. Sur place à la mairie, l'ambiance est similaire. De nombreuses personnes sont venues apercevoir leur candidat favori pour ce deuxième tour. Bonjour, ça va ? Les derniers électeurs ont voté ou sont en train de le faire. Les bureaux de vote ferment dans les grandes villes et nous allons découvrir notre estimation des résultats de cette élection qui aura, quoi qu'il arrive, rebattu les cartes. Qui de Marine Le Pen ou Emmanuel Macron sera le prochain chef de l'État? 12 secondes avant ce résultat. On va retrouver dans un instant ce résultat après des mois de campagne. 6 secondes, 5 secondes. Quel est le choix des Français? Il est 20h. Voici le nouveau président de la République et c'est Emmanuel Macron avec 65,1% des suffrages qui arrive en tête et qui devient donc le nouveau président de la République. Le Pen. Macron. Macron. Le Pen. Macron. Le Pen. Le Pen. Messieurs les présidents des associations patriotiques, mesdames, messieurs les membres du conseil municipal.